Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà le 34e épisode. Oui. Nous sommes en Italie. Oui, nous avons pris le bateau en Grèce et nous sommes passés en Italie. Voilà, une nuit de bateau, pas de tout repos. Pas trop bien dormi, ça vibrait un peu partout. Comme c'était un petit bateau, on sentait bien les moteurs quand même. Voilà. Mais bon. On vous laisse regarder l'épisode et surtout, si ça vous plaît, mettez un pouce en l'air et un petit commentaire. Ça nous fait plaisir. Oui, ça c'est vrai. À bientôt, à tout à l'heure. Italie, 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 Italia. Nous sommes à Bari. Il fait beau, le ciel est bleu. On va essayer de manger et pourquoi pas une pizza. La première. Albarello Bello et ses fameux trulli. Alors Matera, là on est sur la première place en arrivant, il y a du monde. Là si c'est les vacances en Italie ou il y a toujours du monde comme ça. Tu couperas. On est à Pietragala et enfin c'est avec des toits végétalisés. Et en fait ils servaient pour la conservation du vin. À l'intérieur il y a des grandes fosses, des grandes cuves. Il y en a partout. C'est creusé dans la pierre. C'est marrant, on dirait un village de hobbies. Il y en a partout.
vont trouver un endroit très bien au bord de l'eau, bord de la mer. Hein? Mais bon, il y a quand même un petit risque d'éboulement du rocher. Oui, on espère que ça va pas continuer à tomber cette nuit. Pas que ça tombe dans la nuit sur nous. Parce qu'il y a quand même du gros rocher. Voilà. Et nous, nous sommes là. Et nous, nous sommes là, bon. On n'a pas pu venir trop près parce qu'on va s'enliser sinon. Demain, on ne peut pas sortir. Il y a des... Ça, c'est des gros camions 4x4 allemands. À la rigueur, ils nous tirent demain si on ne peut pas sortir. Je croyais que c'était le caillou qui s'écroulait, mais non. C'est un feu de jonc, en fait. Et on ne sait pas où ça a été allumé parce qu'il y a une voiture à côté. Et... Ah, la voiture s'en va. Bah, on espère que ça va arriver jusqu'à nous et qu'on va pouvoir passer sur la route parce que. Bon, les Allemands, ils n'ont pas l'air affolés, hein. Je sais pas s'ils dorment. Nous allons prendre le billet pour le ferry. Manon est parti chercher le billet. Nous attendrons pour prendre le ferry pour aller sur l'île de la Sicile. Ah, ça avance, mais Manon n'est pas revenu. Donc je vais avancer le camion. Alors voilà, ma figlia est revenu avec les deux tickets. On a pris l'aller-retour avec le retour ouvert. Comme ça, on peut rentrer quand on veut. On a 90 jours. On a 90 jours, ça devrait aller. Et on a payé 91 euros le camion, nous, et voilà, pour l'aller-retour. Oui. Il dit avanti. Mon Dieu, va passer sa cabine de toilette là-haut, sous le machin. Ça passe. Ça passe, ouais. C'est toutes les heures. D'accord. Même la nuit. Ah ouais. Même par mauvais temps. Bah, je peux pas partir en lambeau aujourd'hui. Ouais. Oh là 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 là, mais il va pas passer. C'est juste. Et nous, on va passer? Nous, on fait pas le 4 mètres 10 quand même. Ah non. Oh là là, et la cabine de toilette là? Ça passe. Oh là là, ça passe. Ouais, c'est quand même un petit peu juste. Hein. Enfin bon, pour nous, ça va, mais pour les gros camions là? Voir sur le pare-brise, il y a quelques gouttes de pluie. Tout à l'heure, il y avait du vent, non? Oui, mais il y a encore du vent, je trouve. Ouais, on va tanguer sur le bateau. On peut rester dans le camion? Je sais pas. Il t'a pas dit? Ouais, c'est un bac. Hein. Oui, je pense qu'on peut rester.
Alors là, j'ai tous les papiers. Oui, après, le passeport, c'était peut-être pas très utile parce que finalement... On... Bonjour! Bonjour, non! Ciao. Ça c'est le retour. Tu avais donné le retour. Je sais qu'on va le mettre maintenant pour pas le perdre. Donc, oui, il y en a bien un qui va nous placer quand même. Il y a un monsieur qui nous. À droite. Ah non, à gauche. Ton. Top. C'est bon. Mais... vitesse, madame. Merci. Bonjour. On peut rester dans le camion? Oui, c'est bon. C'est OK. Merci. Merci. Coucou. Coucou, nous revoilà. Donc, vous avez vu notre premier épisode de l'Italie. Donc, du sud hein, de l'Italie, les Pouilles et puis région Basilicate et... comment s'appelle la dernière région plus au sud? Calabre. La Calabre. Donc, nous revoilà. Nous revoilà, voilà. Parmi vous. Vous avez vu notre premier épisode sur l'Italie. Italie du Sud, oui. Région nous des... Nous avons décidé de faire l'Italie du Sud en premier. Bah oui, parce qu'on est arrivé en bateau de la Grèce. Non. On est arrivé en bateau de la Grèce. On est arrivé que vers le Sud. Ça filme. Bon. Oui. Nous revoilà. Voilà, nous revoilà. Nous revoilà. Vous avez pu voir. Bon, on n'en peut plus. C'est la deuxième fois qu'on essaye de faire une vidéo. On n'y arrive pas. Alors, on vous dit à la semaine prochaine, tout simplement, parce que là, c'est le dixième essai. Et désolé, je ne sais pas ce qui nous arrive ce soir, mais on n'y arrive pas. Donc, à bientôt, la semaine prochaine, pour la Sicile.